Héro à Mahé de Cournon et enfin la quatrième et dernière place qualificative des Perrichon, Quentin de Saint-Étienne. Allez, un nouveau départ, notamment la catégorie des pupilles maintenant qui vient de s'extraire donc de la grille de départ. C'est Gare Saint-Juan, le pilote de Pugéville qui vient de prendre tout de suite l'avantage là-bas en première ligne droite. On devrait retrouver Coubert Logan, le pilote des Angles, Pugéville avec Garcin. Coubert, c'est les Angles, c'est la première et la deuxième position. On s'organise là aussi un petit peu sur les arrières, notamment pour accéder aux qualifications. Ils ne sont plus que quatre. Ça s'est accroché avec Riwar Tanguy. Cournon, c'est la troisième position. Et Jondeau, me semble-t-il. Est-ce que c'est Jondeau? Axel, le Speed Racing, lui aussi devrait pouvoir accéder aux demi-finales si ça en reste ainsi, bien entendu, jusqu'à la ligne d'arrivée donc pour ces quatre premiers pilotes. Garcin, Goubert, Les Angles, Pugéville, notamment Jondeau, Axel, le Speed Racing et Riwar de Cournon se qualifient. Race 406 sur la piste, Chapelet Simon de Carpentras a pris le meilleur départ avec son copain Taillefer Cédric de Carpentras. Les Carpentrasiens sont aux premières et deuxièmes places pour l'instant. Il y a encore Gamma Adrien de Gerza, Citruc Mathias des Pennes Mirabeau, Pizalowski, Alexis Dorsine, Gaffol de Mons-Roman ainsi que Rochecul comme Mathéo. Et enfin Goujon Théo de Cournon ferme la marche sur la fiche, bien entendu. Chapelet Simon de Carpentras la première place, Taillefer Cédric de Carpentras la deuxième, Pizalowski, Alexis Dorsine à la troisième et enfin. Les deux pilotes 79 Gamma Adrien de Gerza et Citruc Mathias et Penn Mirabeau se battent pour la quatrième place. Rien n'est fait pour l'instant. Chapelet Simon de Carpentras la première place, ça c'est bon. Taillefer Cédric de Carpentras la deuxième place, c'est bon. Pizanowski, Alexis Dorsine à la troisième place, c'est bon. Quatrième et dernière place qualificative. Allez, encore un nouveau départ avec cette catégorie des pupilles. C'est la 407 qui vient de s'extraire de la grille de départ avec Mélano Lény, Saint-Paul, Vallée du Gier. Il est dans les intérieurs et il devrait pouvoir virer à la première position, me semble-t-il, en bout de cette première ligne droite. Voilà ce qui est fait. Attention à Cavaillon, Cornutello Valentin. C'est l'attaque numéro 50. L'un des pilotes que l'on devrait pouvoir retrouver sous les avant-postes. Il est actuellement d'ailleurs, me semble-t-il, à la troisième position, car celui qui est en deuxième place, c'est Evelyn Velvin. Et c'est le club de Vitrolles. Cavaillon bien présent en troisième place. Et pour la quatrième position notamment, c'est Tortoni Enzo, un des pilotes de Carpentras, se tient actuellement donc à la quatrième place et devrait pouvoir lui aussi accéder donc à la demi-finale dans cette catégorie des pupilles. Toujours le pilote du Comité Loire, Saint-Paul, Vallée du Gier, Mélano, Lény remporte. Toujours les pupilles avec leur quart de finale dans la race 408. Ponce Florent et de Pugéville, puis l'Orgile Anaïque d'Issoire, Béguin Jouris des Angles, Gold Thomas de Sainte-Constance, Plantagenet Raphaël de la Garde, Margoton Sacha de Rouen, Perron et Axel, lui, et de Pernes-les-Fontaines, et enfin Arlion Louis et de Carpentras. Les pilotes arrivent maintenant dans le deuxième virage. La première position, c'est bien pour Pilanger les Laïcs d'Histoire. La deuxième place, Béguin Joris des Angles. La troisième, ce sera pour Arlion Louis de Carpentras. Et enfin, il me semble que c'est Ponce Florent de Pugéville qui pour l'instant lutte pour la quatrième place. Rien n'est fait dans le dernier virage, ça va être chaud. Ça vient de changer à l'instant. Le pilote de Pugéville, donc Ponce Florent, lui devrait se qualifier sans problème. La première place, c'est pour Pilanger.